Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de la Guinée-Conakry où la situation est de plus en plus critique. Le ministre de la Défense, M. Idi Amin, vient de signer un décret qui doit attrister toute l'armée en général et en particulier la fille du capitaine Moussa Dadis Camara. Qu'est-ce qui se passe? Que contient ce décret signé par Idi Amin? C'est un décret confirmant la radiation des 500 militaires de l'armée. Et parmi ces 500 militaires, y figure la fille du capitaine Moussa Dadis Camara. Ce sont des personnes radiées pour faute lourde. Tels sont les motifs inscrits. On se pose la question à savoir pourquoi Idi Amin veut radier de l'armée ses 500 militaires. La situation est de plus en plus compliquée et la réponse à cette question est simple. Idi Amin, en tant que ministre de la Défense, veut faire une purge au sein de l'armée et ne rester qu'avec des militaires de confiance. Car comme vous le saviez bel et bien, à la fin de la transition du 31 décembre 2024, l'armée devrait, entre autres, être loyale au général Mamadi Doumbouya. Tous ceux donc qui échappent au contrôle de Mamadi Doumbouya seront radiés avant le 31 décembre 2024. Telle a été la décision prise par le ministre de la Défense, M. Idi Amin. Ce décret a été signé et notre correspondant sur place en République de Guinée a pu avoir une copie. Nous ne l'avons pas présenté dans cette vidéo, mais ceux qui nous écrivent en commentaire auront cette liste en eBay. Sur cette liste figurent plusieurs militaires, y compris la fille du capitaine Moussa Dadis Camara. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez connectés à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.